Journée particulière est un court texte qui répond à l'invitation d'un voisin et ami photographe de théâtre qui s'appelle Alain Fontrait et qui m'a proposé d'écrire pour deux photos qui ont changé, on peut dire, le cours de sa vie. Dans les années 90, il a lui-même un peu de peine à dater exactement le jour de cette rencontre. Il était dans un café en train de faire des photos pour une actrice, Raphaël Guitlis, quand un homme est arrivé pour leur demander s'il pouvait, lui, les prendre en photo tous les deux. Il a accepté et l'homme est parti avec une femme et ils se sont retrouvés à... la femme qui l'accompagnait est revenue pour lui dire « Savez-vous qui vous a pris en photo ?» Il faut que je vous dise quand même qui vous a pris en photo. C'est Richard Avedon, le photographe américain. Et Alain Fontrait, c'était son idole, Richard Avedon, à l'époque. Il s'en est beaucoup voulu de ne pas l'avoir reconnu. Il lui a couru après pour lui dire qu'il l'aimait beaucoup et pour lui demander si lui accepterait d'être pris en photo par lui au même endroit, etc. Il a accepté. Et donc, ils ne se sont plus jamais revus. Et Alain est resté avec ses deux photos, ce double portrait, avec donc, sur l'une, son propre portrait avec la comédienne, et sur l'autre, le visage de Richard Avedon, accompagné de Nicole Wisniak. Donc, il a su après que c'était Nicole Wisniak, la directrice, la créatrice de la revue Égoïste. Et cet homme de l'ombre, photographe des comédiens, habitué des coulisses, photographié par son idole, pour lui le grand maître du portrait, c'est quelque chose dont il ne s'est jamais tout à fait remis et qui a été une sorte de mystère dans sa vie. Pourquoi Avedon les a pris en photo, qu'il m'a confié. Et en réalité, c'est là que commence, on peut dire, mon livre, c'est d'essayer de déplier, d'éclaircir ce mystère et l'effet, tout simplement l'effet sur cet homme de cette rencontre. Alors, je ne pensais pas que tout ça donnerait un livre, pourrait aboutir à un livre. Mais en réalité, à mesure que nous nous sommes entretenus de cette histoire, je me suis aperçue que moi, fille de comédien, marionnettiste, moi-même familière des coulisses du monde du théâtre, ces portraits, ce regard sur des visages, notamment d'acteurs, éveillait chez moi tout un réseau de souvenirs très intimes. Et donc j'ai commencé à écrire. Alors j'ai mené aussi une sorte d'enquête, à la fois sur Richard Avedon, sa pratique du portrait. On m'a donné le contact d'une ancienne assistante de Richard Avedon avec qui j'ai échangé, qui m'a confié des choses assez intimes sur Richard Avedon, qui considérait le portrait comme un art d'autoportrait, qu'en réalité, il y a très peu de photos de lui, mais qu'à travers le portrait qu'il faisait des autres, c'était sa manière aussi de s'exprimer. J'ai trouvé ça très beau, très intéressant. J'ai re-regardé des photos d'Avedon que je connaissais, d'autres que j'ai découvertes totalement. Je les ai décrites. J'ai passé beaucoup de temps comme ça avec les photos d'Avedon et à m'entretenir avec Alain Fontrait. Et donc, petit à petit, une série aussi de fragments me concernant, à la première personne, se sont développés. Et donc construit une sorte de récit montage à partir de toutes ces sources-là, comme une enquête sur une journée particulière et qui a une incidence très profonde et très longue sur la vie d'un homme. Alors, je connaissais quelques photos dont parfois je ne savais pas qu'elles étaient de Richard Avedon, que j'avais découvertes adolescente, notamment dans un livre de Roland Barthes qui s'appelle « Les mots et l'image ». Et notamment un portrait du dernier homme né esclave aux États-Unis, dont le regard m'avait beaucoup frappée à l'époque. Et aussi le portrait d'un homme recouvert d'abeilles, qui était un jeune apiculteur américain d'une série qui s'appelle « In the American West ». Mais non, je connaissais assez mal l'œuvre d'Avedon, quelques photos comme ça qui m'avaient saisie, mais
J'ai écrit ce texte en partie pendant le confinement et j'ai récupéré des catalogues qui sont des grands livres et on peut dire que j'ai tous les jours, comme une espèce d'expo chez moi, tourné peu à peu les pages. Je passais du temps avec les photos d'Avdon et dans une intimité qui a aussi été rendue possible par cette période si singulière. Et donc j'ai fabriqué moi-même une espèce de plusieurs expos Avdon chez moi pour écrire ce livre. C'était très, très singulier comme expérience. Et donc, oui, comme je le disais aussi, il y a une rencontre entre ce questionnement des visages et des portraits, comme ça, c'était des visages très cadrés, sur fond blanc, beaucoup, les portraits d'Avdon. Et je dois dire que cette scrutation des visages, coïncidant avec l'arrivée des masques sur les visages, a créé aussi quelque chose au cœur de ce récit évidemment dont je me suis emparée. Et donc c'est un récit qui a beaucoup à voir sur la captation des visages. Et moi-même, bon, je me suis un petit peu aussi renseignée sur certaines techniques photographiques et la question de la chambre photographique notamment. Et donc moi-même, j'ai un peu exploré j'ai mis moi-même mon œil sous le drap de visée d'une chambre photographique qui était l'appareil de prédilection de Richard Avdon. Donc c'est évidemment un texte qui interroge la photographie, l'art du portrait, mais je dois dire que l'émotion de voir disparaître en partie les visages l'année dernière est quelque chose qui est venu donner encore plus d'émotion à cette aventure.